pendu. Bien dit. Voilà, monsieur, j'ai un nouveau calogno, pardon. C'est quoi ça, Nkovi Moro? Voilà, c'est un nouveau concept. Le calogno, à cause des Zogo, on a préféré les appeler le calogno, sinon c'est des moussous qui sont vieilles. Et tu comprends. Mais c'est que toi, là, tu as un beau sac pour m'envoyer, je connais. Ah, ça, non, c'est toi. Il y a pas à toi, je te connais. Ah. Il y a fort, mon vieux, comme tu es pas fou de reposer, c'est rhumain belé, il y a tombé chap chap, et puis il y a prend ça pour toi, quoi. Tout de suite. Ah. Non, mais il faut te reposer un peu. Aïe, 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 aïe. Ils ont volé mon truc piqué, yo. Yo, mais un vieux mot, à mon moulin, tu as me payé ça. Aïe, ouais, si tu as fait que si il est venu sur la terre, là, voilà, et puis là, c'est dans ton cul, dans ton anus, il est piqué, tu as chié dans ta bouche. Yo. J'ai constaté quelque chose d'anormal dans ma maison. Comme quoi? C'est vrai que je suis peiné, mais je suis obligé de le dire. Je sais que tu sors avec mon petit collègue. Ah bon? Oui. Ça, tu ne peux pas le nier. Ah, chérie, toi aussi. Comment ça? Où t'as enlevé cette information-là encore? Non, c'est pas que j'ai été informé, mais depuis lors, je suis vos gestes. Mmh. Ici, là, chaque fois, tu viens. Non, c'est moi, si je travaille dans les services. Non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais je savais. Et chaque fois, vous rentrez ensemble, vous sortez ensemble, vous avez un programme ensemble. Ma chérie, mes cheveux blancs qui sont là, là, je ne les ai pas empruntés chez mon papa. C'est pour moi-même. Ça veut dire que je suis sage. Je suis très intelligent. On ne peut pas me tromper. Tu vois, s'il y a quelque chose, dis-le moi. Dis-moi ça, franchement. C'est vrai, je sais que je ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas avec mon petit frère que tu dois me tromper. Mais qui t'a dit que Yesso est ton petit frère? Oui, mais bien sûr, je le sais. Ils ne sont pas avec lui, si tu nous as vus. Oui. Où ça? Même vos lieux de rendez-vous, tout ça, là, je sais. Ah bon? Mais c'est pour ne pas te frustrer que j'ai fait semblant de ne pas savoir. Donc, montre-moi les preuves alors. Je t'ai dit tout à l'heure que je suis très sage. Quand quelqu'un parle des preuves, c'est que la personne avoue son crime. Mmh. C'est que tu avoues. Donc, tu vois, tu veux mettre une barrière infranchissable. C'est ça, on parle des preuves. Sinon, tu sais concernant, pertinemment, que c'est vrai ce que j'ai dit. Chérie. Dis-moi la vérité. En tout cas, ne te gêne pas. Rentre en toi, examine-toi et avoue. Dis. Je vais te dire quelque chose. Vas-y. Tu me promets de ne pas te fâcher. Je ne vais pas me fâcher. Ok. Cette relation a une faute de performance. Donc, comme toi, on disait que tu ne fonctionnes pas sur le pas. Et tu n'es pas te laisser envoyer un autre enfant de quelqu'un d'autre. Chérie, mm-hmm. Merci. Merci d'avoir avoué ce que vous êtes en train de faire sur le toit. Mais sache que moi, je t'ai fait venir ici, c'est pas pour avoir des enfants. J'ai déjà mes enfants. Mais toi, tu es une jeune petite fille. J'ai besoin de ta chaleur, de ta présence dans ma vie. Ça me réconforte. Mon petit frère, c'est mon petit frère.
Mon petit frère, je n'ai pas besoin d'enfants actuellement. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne faire des enfants pour me donner. Toi-même, tu sais que Dieu va se fâcher contre moi. Parce que quand je vais voir ces enfants-là, ces enfants bâtards. Ah, mais bien sûr, c'est un enfant bâtard, puisque ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon sang. Nous sommes frères, mais je ne peux pas prendre son enfant comme mon enfant. Chérie, je te comprends parfaitement. Ce qu'ils ont été expliqués, je veux que tu comprennes cela. Moi, je suis très jeune. Comment je fais? J'ai besoin d'avoir un enfant au moins. Hein? C'est vrai, mais pas sous mon toit. Tu sais, la femme, je vais te dire quelque chose. L'amour ne se partage pas. De la manière dont je t'aime là, je ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre vienne sortir. Non, ça me blesse. L'amour est indivisible, ma chérie. L'amour est indivisible, quel que soit mon handicap. Bébé, tu as raison. Je te demande pardon. Pardonne-moi, je sais que tu as raison. Pardonne-moi. Mais pour le coup. Tu vois, chérie, il y a un adage qui te dit, on ne peut pas reconnaître la patte gauche du poulet dans la sauce. C'est vrai. Parce que, comment tu vas t'arranger pour avoir un enfant, on ne peut pas le savoir. Mais intérieurement, nous devons savoir que ce n'est pas normal. J'ai un handicap, ce que je vais faire, je vais chercher à me soigner. Tu t'es satisfait. Lève-toi, chérie. Non, attends, j'ai été soulevé. Ma chérie, dans tout cela, tu sais ce qui me fait mal. C'est que depuis que tu es rentré ici, mon petit frère, tu n'as pas vu deuxième avis sur lui. Il a un seul habit. Ça veut dire qu'il n'a rien. Il est plus pauvre que le rat d'église. Et c'est avec lui. Tu me trompes. Au moins si c'était quelqu'un qui avait au moins un peu, tu allais comprendre. Mais un misérable comme ça, un misérable. Non, je t'aime toujours, quels que soient tes défauts. Toi, tes délits sont des ordres. Chérie, ouais. Pardonne-moi. Mais à des moments, on peut faire les testicules que l'argent. Oui, c'est vrai, chérie. Mais il faut savoir quel testicule il faut. Il y a pour poulet, et puis il y a pour mouton. Il y a pour bœuf même. Tu as compris? Il faut savoir faire le choix. Allô? Oui. John. Mon cher, je suis là. Ça va. Comment on va faire? Oh oui, non. Je suis à la maison. Oh, on m'a donné 2 semaines de repos. À cause de mon problème que tu connais? Ah oui, mon cher. Il faut se soigner, puis c'est fini, ça passe. Oh, je suis à la maison, ça va. Non, elle est allée au travail. Elle descend le soir. Ok. Oui, ça va. Bon, tu sais ce que tu vas faire? Oui. Un seul habit, là. On va prendre ta chaussure là, tu vas partir. On va au lâcher. Prends-nous pardon. Tu as fait quoi, habit, tu demandes pardon? Pardon. Non, qu'est-ce que tu as fait et puis tu me demandes pardon? Aïe, mais j'ai fait quoi? Comme tu penses que c'est toi seul qui a tes études de mouton et que tu veux exhiber ça dans ma maison, va prendre ta chaussure et puis tu sors. Va au village. Je ne veux plus te voir ici. Grand frère, pardon. Pardon. Grand frère, pardon. Pardon. Pardon, va me faire ça, pardon. Toi, comme tu as l'autre institut, c'est avec ma femme que tu sors dans cette maison. Pardon. Je t'ai nourri, je t'ai blanchi. C'est ma femme qui a vu. Pardon. Allez, sors. Faut sortir. Pardon. Je dis, faut partir. Je veux plus te voir ici. Va exhiber tes textos là, dehors là-bas. Donc, c'est ce que tu me fais? Oui, bien sûr. Tu veux me chasser? Oui. Je t'ai déjà chassé, mais faut pas dire que je vais te chasser. Ok, je vais aller. Je vais aller au village. Oui. Mais arrivé au village, je vais dire à tout le monde ce qui s'est passé. Toi, tu vas aller dire aux gens. Oui, je vais dire ça. Je vais dire que ta femme et moi, ce qu'on fait là, tu sais là, je vais dire. Voilà. Ah, je m'en vais. Je m'en vais. De partir, non? Un je m'en vais. Poli. Non, allez, non, 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 non,
Donc c'est moi, tu vas aller exposer sur la place publique au village, quoi. Pour que tout le monde sache que je ne fonctionne pas. Imbécile. Allez, rentre là. Dis-moi ça. En plus, il me fait un chantage. Ah bon, d'accord. On va voir qui est fort dans cette maison. Qui est qui? Oh, il joue avec moi. Ok. Hé, moi, le grand. Tu me mets au nez. Mais c'est moi qui ai été sali. On est fort. En tout cas, bébé, moi, je ne vais pas te mentir. Depuis qu'on a commencé là, les gens t'ont trop parlé. Et moi, je te dis que actuellement, c'est moi qui gouverne. Tu vois, non? Voilà. Voilà. Tu n'auras beau parler, c'est que j'étais moi ensemble. Pas tout le monde est sérieux, la moyenne est partie avec toi. Aïe, mon bébé t'a tué, aïe. Ah, mais l'homme, ça n'a pas dit, jette pas. Quand il me dit, lève là, il ne s'est pas levé. Oh, laisse le plaisanter. Il n'y a pas de boucantier pour moi. Quand aïe. Il presse là, il va se lever. T'inquiète, aïe, je suis au courant, mon cœur. T'inquiète, mon bébé. C'est que je suis. Moi, tant que j'aurai ton soutien là. Bébé, tu sais que papa, mais je ne veux pas que je sois avec toi. Mais moi, essaye, vois ton état guidé déjà. Non, il y a faute. Il y a faute. Il y a faute, t'inquiète. Il va voir qu'on va tuer dans la ville. Là. Il va entendre mon nom chez nous à la maison. Il va dire, ouh, ma fille a percé. Non, t'inquiète, bébé. Il dit, ma fille. Oh, tu l'attends. Non, bébé, tu as la foi. Tu as la foi. Trop même, il y a trop la foi, t'inquiète. Mon prochain, ça va prendre toi à Bijan. Aïe, voilà, bébé, ou quoi? Tes parents t'ont mis au monde là, c'est pour rester comme ça. C'est lui là que tu as vu. Celui qui est assis là. Qui ne fait rien, qui est assis dans mon salon, en train d'écouter des morceaux, des voleurs, des brigands. T'as pas mis un petit devoir. Papa, ça là, c'est bien. Non, toi où tu es assis là, tu es grand. Papa, ça là, c'est rien. Bientôt là, il va percer. Mon mari là, il sera quelqu'un. Hé, regarde où ici. Pour le moment, il n'a pas encore percé. Il est assis dans mon salon. Tu as compris? Un vaurien comme ça, il ne cherche pas à faire quelque chose et que derrière lui, rien percé. C'est comme ça qu'on pèse. Quand on ne cherche pas à travailler là, on pèse. Quand on passe tout son temps à écouter musique, on pèse. Attends, c'est ma maison, prenez ça comme hôtel. Vous faites bijoux, vous faites tout ce que vous voulez dans ma. Sortez. Allez, dis, dehors. Je vais te gifler. Sors là. Regardez-moi ça, des vauriens. Hein? C'est dans mon salon, vous faites tout ça, vous pensez que c'est hôtel? Regardez-moi ces vauriens. Connerie. C'est comme ça on vous a appris, on vous a éduqué? Tu vois. C'est à cause de ma petite chère Daniel. C'est à cause de ma petite chère Daniel. Bébé, allons, laisse-le. Bonjour, papa. Bonjour. Est-ce que vous venez voir Daniel? Quel est Daniel? La fille qui habite ici. C'est ta soeur? C'est ma petite amie. Toi-même, tu fais quoi dans la vie? Papa, il me débrouille sur. Quel débrouillement? Sur manager d'artiste. Ah! Donc on t'a dit que c'est chez moi ici, tu dois venir manager. Ça va pas chez toi, tu es malade. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette connerie là. Mais les deux gens là, ils me prennent pour qui? Tantôt ils viennent s'embrasser, tantôt on vient demander après ma fille Daniel. Ça va pas chez vous? Moribond. Daniel, amène-toi ici. On te manage maintenant. Non, papa. Comment ça? Il y a quelqu'un qui est venu dire, il dit le manager. Il est ton ami. Papa, il ne voit pas. Comment tu ne vois pas? Dehors là-bas, tu vois. Dedans ici. Papa, c'est pas moi qui est venu voir. Moi, je suis vieille. Tu m'as dit de rester vieille jusqu'à 20 ans. À 20 ans, tu vas me voir à Paris. Mais j'étais avec. Tu as compris? Fais tes études. Si tu finis là, moi, je t'envoie en Europe. C'est toi-même qui vas choisir le pays. Tu vas aller continuer là-bas. Et puis tu vas avoir bon mari. Mari qui va s'occuper de toi. Mais pas mari qui dort d'abord. Pas mari qui
tout son temps à voler pour pouvoir venir te donner pour te satisfaire. Dieu veut plus être chez la part là que moi ici. T'as compris? D'accord. Allez, voilà. Tu es déjà où là? Qu'est-ce qu'il y a? Faut te mourir, il va te dire. Mais tu m'as oublié, si moi, je sais même pas de tout ça quoi. Il n'est même pas dans mes parents qui est venu, mais je sais même pas tu m'as oublié ici. Mais dis ça pourquoi? Au fait, le problème c'est quoi? Comme il doit faire une course là, il t'envoie ici pour sauver mon vieux mort. Il se sent pas bien, il est malade. Donc tu as veillé sur lui, juste un moment, tu n'as pas trop dur. Hein. Il veille, il vient, chape, chape même. Dès qu'il finit, il te donne 10. 10 000 quoi. Sans problème. 10 000, cadeau comme ça, après il me s'est assis sur mon pour le surveiller. C'est trop facile, t'es. 10 000 comme ça. D'accord, il comprend si tu lui dis. Il n'y a pas de problème. Yes, ma'am.